Et on est de retour pour le solo critique. Cette fois, on va tester Ibana pour le solo critique. J'ai un peu changé son équipement. On va prendre le bearing 9. J'espère qu'on peut mettre en tir unique pour le silencieux. Et on va garder le type 89 pour les dégâts. Ça, c'est un fusil à pompe normal. Elle a pas trop le choix. Je trouve que ces armes peuvent peut-être avoir un petit boost. On va reprendre encore la même zone. Critique, ok, très bien. Pourquoi Ibana? Parce qu'on m'a dit qu'elle était quand même vraiment bien avec ses mines. J'ai vu, moi, de ce que j'avais testé, oui, ça avait l'air sympathique. Qu'est-ce qu'on a? On a un scan, une fermeture, un spécimen. Ok, donc les nids sont protégés par une carapace blindée. Ok, ça marche. Donc on peut utiliser les clés morts. Pourquoi pas? Ouais, les clés morts, j'aime bien les clés morts, moi. Donc ouais, on m'a dit qu'il était quand même vraiment bien utile, donc du coup, c'est ce qu'on va... Calme, précision et violence mesurée sont mes piliers. D'accord. On va utiliser ça, donc clés morts. Je pense qu'on est bon. C'est parti. Donc ouais, on m'a dit quand même que c'était vachement efficace et tout. On m'a dit même que ça pouvait tuer les alphas, apparemment. La salve de mine là qu'elle balance, donc on va voir ça. Je sais que ça peut tuer les tourmenteurs et je sais que ça met à terre les cogneurs. Je vois. Ok, on peut en mettre sur. Accéder à un émetteur de catalyseur. Ces anomalies visibles nous aideront à comprendre d'autres phénomènes. Ça marche. On est bon. Le scan. C'est quoi? Neutraliser ma cible. Rechargement. Très bien. Par contre, je crois qu'on a un nid en hauteur. Pourquoi je peux pas... Ah, là. No, 3. Il y a encore un nid à gauche, longtemps. Non. Pas mis en fait. Là oui. Votre objectif doit plus être loin. Utilisez un dispositif de reconnaissance. Ça marche, merci. Bien. Je crois que c'est le mieux, c'est de faire ça. Si jamais on peut pas les... Il y a un truc derrière à part. Je crois que c'est un cogneur. Si on peut pas les tuer en... Avec une balle... Oh merde. Oh c'est bon, j'ai plus de sport. On attend qu'il montre en fait le point faible. C'est un cogneur ça. C'est pas mal comme système. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. J'aurais pas dû tirer. Okay, je voudrais bien me faire le cogneur. Il faudrait qu'il se retourne, j'ouvre la porte, je lui mets toutes les mines et on voit ce que ça fait. Ok.
Ouais, ça tue pas, c'est ce que je pensais. Ok, c'est bien ce que je pensais. Je voulais... Parce qu'en fait, il me tournait le dos, donc j'aurais pu m'avancer, genre doucement, et juste le backstab, en fait, directement. Sans utiliser les mines, mais je voulais quand même tester les mines. Parce que j'avais dans le... Ne tenez pas compte de l'ordre. J'avais dans le souvenir où ça tuait pas. Pas les cogneurs, en tout cas. C'est bien ça. Ça va, là on a fait une belle zone. Là on a fait une belle zone. Il n'y a pas de... C'est quoi déjà? Ah oui, triangulation. Pas de triangulation. Le scan. Ah, touche pas les bambous, sinon ça va se casser pendant 3 heures. Je tirerai dans la salle de droite, il va y avoir des monstres. Genre, ah, bah tiens, c'est là. J'ai rien dit. Il a l'air d'être seul. Les décharges synaptiques du parasite. Il a l'air d'être seul. Il a l'air d'être seul maintenant. De quel côté il est, il y a un truc à ma droite. Personne ne m'a vu. Je ne suis pas là. Je sais pas vraiment ce qui est venu. Je crois que c'était des dards, honnêtement, vu le bruit qu'ils ont fait. Ouais, je crois que c'est du dard, ça. Alerte ou pas? Si, alerte, merde. Il y a un machin qui met des mines, là. Il est juste là. Salut! Ben voilà, tranquille. N'activez la séquence de stase que si vous ne comptez pas revenir dans cette zone. Ok, parfait. Non, oui. Beaucoup de soins. Très bien. Merde. Est-ce que ça marche de mettre des... Pète-moi à la gueule! Ah, je l'ai cassé! Je savais pas qu'on pouvait les casser.
que j'y arrive. Ah merde. J'avais pas qu'on pouvait casser les clés morts. On va prendre tous les joueurs. Bon, allez, on commence à consolider. Alors là... Alors nous, on a un point de défense ici. On en a 3 même en solo, je crois. 1, 2... Là, il va être simple. Est-ce que là on consolide ou pas? Là on n'a pas vraiment besoin. Là on va... Là on va le faire. Quoique ça nous fait une belle vue pour voir ce qui arrive. Mais bon, vu que je vais rester sur l'endroit, on va être collé au mur. Enfin, bref. On va être collé à la brèche. Et j'ai pas vraiment envie de rester collé à la brèche. Ça c'est pas fun. Surtout que... qui commence à arriver. Bon, allez, on active parce que sinon. Allez à la première zone. Première zone, c'est là. J'ai pas mis de clé mort. On dirait que ça a contrarié les Archéens. J'ai pas mis de clé mort, j'ai complètement oublié. C'est bruit. Ah, c'est la télé. Je recharge. Obtenez les données suivantes. Rechargement. Il s'est pris la mine, parfait. Je me demandais d'où elle venait la mine. Bien. Il reste des données à récupérer. J'ai vu ça. Barricade posée. On devrait prendre la vie qu'on avait vue. Bah, c'est pas grave. Je détecte des mouvements hostiles. Cibles multiples. Je recharge. Probabilité de signaux d'effort en hausse. Oui, on est trop bien. Bougez-vous, vous allez rester coincé avec les Archéens. Je sais pas combien de... Quand ça casse en fait. Ouais, là je crois que ça va casser dans pas longtemps. Vous avez réussi à tenir le coup dans les zones malgré toutes les attaques ennemies. Très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Suivant. La fermeture. Le ganglion nourricier permet au nid de se régénérer, mais y injecter de la mousse de stase interrompt le processus. Fermeture solo, c'est chaud. Le seul bon côté de la fermeture, c'est que... La première chose que vous faites, c'est aller à l'extraction. Ah, ça doit être là. Ouais.
T'es sérieux? Ton cul est trop gros, c'est ça? Bonjour, je voudrais... Merci. Vous pouvez détruire un nid, mais il repoussera tant que le nodule nourricier sera intact. Ok. J'ai mis le soin là. On va faire ça. Kit de soins ici. Comme ça, si jamais ça se passe mal, je sais où il y a le directement le soin. On a un truc là. Oh. Je peux passer par là. Il est en train de s'éloigner, je crois. Ok, on a un autre. On a deux, fais chier. Ok. Tout va bien. Je pensais pas que ça allait marcher, mais vu qu'il y a une entrée là, ils aiment bien passer par là. Ils aiment bien passer par en fait toutes les petites interstices. Je me suis dit que ça allait peut-être marcher. Ça c'est par contre ça, dard ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Par contre, il y en avait deux. Je crois que l'autre, il a dû se casser. C'est pas mal, ça. Objectif sécurisé. C'est pour ça que j'aime bien les Clément. Oh. Après, la sortie elle est là-bas. J'ai envie de bloquer les cloisons. Honnêtement. Mais je pense pas qu'on en a vraiment besoin. Puis de toute façon, si ça se passe vraiment mal, on s'échappe. Bien. Merde, y'en a un autre. Quoi? D'où tu m'as vu? Ouais, j'appelle ça bullshit. Bien. Très bien. Non, le son il est trop loin.
ça. Clé mort prête. Clé mort prête. Ouais, ok, on se casse. Avancer parce que là. J'ai récupéré l'objectif. En plus, il doit pas être loin. Servez-vous de la mousse pour empêcher le nodule nourricier de ranimer son armée. Voilà. Parfait. Il reste 7 minutes. Ça a marché. Il n'y aura plus de nid ici pendant un moment. Prends ça. J'imagine qu'il reste encore des monstres quand même. Ça va, on a eu un petit moment de frayeur, mais on a pu. Bloquer l'arrivée, tout ça. Ça aurait pu mal se finir, mais. Ça va. Après j'avoue que là on joue surtout, bon après oui l'agent a ses propres armes et tout, donc dans un sens c'est vraiment elle qu'on joue. Mais là on joue plus l'agent random quoi, plus que l'agent Ibana avec ses mines. Oui alors oui c'est sympa mais bon on les a utilisés que 2-3 fois vraiment bien. Genre vous prenez fuse, c'est quand même beaucoup plus simple. Beaucoup plus fun aussi. C'est bon pour cette sous-zone, vous pouvez passer à la suivante. Ah, merde, y a un truc. La motivation, ça. Il faut faire pareil dans la prochaine sous-zone. Ça marche. Les combinaisons NBC standard protègent adéquatement contre la contamination, mais ne sont pas aussi résistantes que le PPE d'agent. Séquence de SAS, transition de sous-zone. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ces mines, c'est sympa, mais les autres peuvent faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Les chercheurs le veulent vivant. Je vous dirai où trouver. C'est un spécimen à les récupérer. On va faire des comme pansements ça. Ici. Des pansements. Oh merde. Un alpha. Je sais pas si ça tue les alphas. J'ai bien envie de tester. Par contre, faut faire gaffe que l'alpha peut monter comme ça d'un coup. L'alpha se balade de très loin, par contre. Il fait des grands. Merde, bien joué. Très bien. Enfin, on est bon vite fait. Hein. Bon, faut avancer. Il est là, l'alpha. Ah, j'aurais bien voulu le marquer. De ce côté là en bas, non? Ouais. Je commence à bien connaître la map, c'est bien. Ah, quand on est seul, hein, on commence à mieux s'en rappeler, hein, très vite.
Hein, tout de suite. C'est, vu que c'est un peu plus question vie ou de mort, on fait beaucoup plus attention. Il n'y a que les alphas qui font un peu peur, qui se baladent. Oh. Ouh. Ouh. Ouh, que c'était bien. Ouh, que c'était bien. Alors, je sais pas si on avait les 6 mines. Sur l'alpha. Je sais pas du tout. Mais ça lui a fait quand même pas mal de dégâts. Parce que si on a pu le finir avec ça. On a tiré quoi? Une dizaine de balles je crois. Si on a pu le finir avec ça. C'est quand même qu'on avait bien bien descendu sa vie avec les mines. Ouais. Ouais. Là on a eu un bon bon test. Là c'est un très très bon test. Oh, putain ce bruit. On a eu un très bon test de la puissance des mines sur l'alpha là. Ouh. Là je suis content là. Ouais, là, c'était très très bien, là. Bon, même si on n'arrive pas, honnêtement, je la garde, cette vidéo. Il est juste là. Même si on n'y arrive pas, je la garde, cette vidéo. Parce que, ouais, là, c'est cool. C'est de l'information, en fait. La bonne information. Ok. Très très bonne information. Donc ça peut tuer les apex en une fois. Ça marche. Ok. Là je crois. Là on avait toutes les mines. Ok, ça peut tuer les apex en une fois. Cool. Je vais attendre que ça recharge quand même. Ça tue, c'est le cas de le dire. Ah, je suis content, ok, cool, parfait. Parfait. C'est quoi qui est cassé la paroi? Encore un. On va refaire un peu le même système. Ok, il est parti. Ah, il y a lui là qui se balade. Il y a beaucoup d'apex là. Hein. Après, le problème avec eux, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Parce que moi, je préférais balancer plein de grenades, par exemple. Merde, je devrais pas faire ça.
info en vie. Attirez-les au point d'extraction pour le attends, c'est pas lui que j'ai vu. Très bien. Bon ben go. Ah, ça fait même pas de trou. Ne le blessez pas. Je recharge. En tout cas, vas-y, ramène-toi. J'ai besoin de cet archéa en vie. Pas besoin de taper, d'appeler tes potes, hein, tu peux me solo. Hein. Merde, je crois qu'il y a un apex. Bien. Il y a un apex. Système de capture. Ouh. Un spécimen en vie. Et c'est parti. J'arrive pas à savoir si vous avez dû vous donner à fond ou si c'est trop facile pour vous. J'ai vérifié avant de partir, c'était en vert, donc normalement ça compte, je suis pas parti trop vite non plus. Enfin, j'espère pas. Donc ça a marché. Donc on a eu un bon test là avec, ouais, Spécine. On a eu un bon test avec Ibana. C'est qu'elle peut one-shot les Apex. Ok, ok. Donc les commentaires ont bon. On a pu le tester en live, c'est cool. Merci beaucoup de m'avoir... de me l'avoir dit. C'est compliqué à utiliser. Enfin, c'est compliqué à utiliser. On va dire que c'est dangereux parce qu'il faut une vue directe en fait sur la cible. Faut être à bonne distance pour pouvoir mettre. Enfin, quoi que non, à bonne. C'est pas. C'est quand vous visez, en fait, ça va se cadrer sur l'ennemi, sur la grosseur de l'ennemi. Mais c'est vrai qu'on peut des fois mal tirer et pas toutes les mines en fait vont toucher la cible. Vont pas se coller à la cible. Mais elle peut donc one-shot des apex, les cogneurs ça marche pas, parce que je suis quasiment sûr qu'on l'avait touché, on avait mis toutes les mines sur les cogneurs. Après il y a une deuxième fois où on a tué un cogneur, mais on l'avait, il s'était pris une clé mort aussi. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Par contre oui, c'est dangereux, parce que par exemple si on prend fuse à la limite... Comme on avait vu la dernière vidéo, avec fuse, on n'a pas vraiment besoin en fait d'avoir vue directe sur l'ennemi. Donc on peut placer les choses, genre foutre le bordel, se casser. Voilà, c'est plus safe d'utiliser fuse que d'utiliser Ibana. Mais c'est vrai que c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Elle fait extrêmement mal, ses mines font extrêmement mal. Ouais, elle one-shot les apex. Donc ouais, je pense que quand je l'utiliserai moi en groupe, si jamais il y a des apex et tout ça, je m'en ferai ma cible en fait. Parce que même si je les one-shot pas, par exemple parce que j'ai pas mis toutes les 6 mines là, sur la bestiole, j'en mettrai genre 3 ou 4, mais ça fera énormément de dégâts, ça fera peut-être une 300 en dégâts, un truc comme ça quoi. Donc ça va. Ok, c'est cool. Bah c'était cool. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao.